Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur MM Simulator. C'est MM Simulator, on se retrouve sur le jeu pour le tester. Bon, je vous dis, vous devez commencer. J'ai déjà testé moi pour. Ouais, pour voir s'il était pas mal. Je l'ai trouvé bien, je l'ai fini en. Bon, il est un peu court, je trouve. Mais en gros, on le finit en 7-8 heures. Donc c'est un jeu qui est un petit peu court. Mais par contre, quand on est dedans, on est dedans. En gros, on bouge pas. Tiens, c'est un jeu qui est très prenant. Donc le jeu, c'est de concevoir des jeux vidéo. C'est un jeu qui est vraiment quand on se met dans la on commence à jouer à ce jeu, on peut plus s'arrêter. Et franchement, en plus, surtout qu'il est pas très cher. Ce jeu, il vaut. Quand je l'ai acheté, il valait 4€. Donc franchement, pour un jeu qui vaut très cher, quoi. C'est un petit jeu de pas côté. Donc voilà, on a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Donc là, en gros, c'est pour faire des contrats. Et ce jeu est donc sorti, je crois, en août 2013. Donc là, voilà, on va faire un contrat, ils vont tous travailler. Moi, je suis le petit bonhomme avec le rond, avec l'éclair bleu. Voilà, j'ai fini le marché. Contrat complet, voilà, j'ai remporté 52 000. Donc voilà, ce jeu est un peu. En gros, c'est voilà, un peu simple. Je trouve. Là, pas simple. Justement, en fait, c'est bien ça le problème, c'est qu'il est complexe. Mais il faut comprendre. Donc, on peut faire. En gros, on a le choix de faire des petits. Enfin, au début, on peut faire que des petits jeux, vu qu'on est tout seul. Oui, il n'y a qu'une seule personne. Et pour faire un intermédiaire, faut être au moins deux. Après, en gros, ça c'est en gros là au début, au tout début quand on commence le jeu, le premier jeu qu'on peut faire, on a le choix du thème avec 4 thèmes je crois. En gros, on a le choix de 4 thèmes. Et en fait, à l'origine, quand on commence le jeu pour la première fois, ce sera tout comme ça. En gros, il n'y aura pas J, T, P, A, point d'interrogation. En gros, c'est par rapport aux études de marché que vous ferez en créant vos jeux, que, en gros, il va vous mettre en gros ce que les gens ils aiment, si c'est pour les jeunes, pour le tout public, ou pour les... qu'est-ce que j'ai ou en public averti. Donc voilà. Et ceux qui ne sont pas, en fait, c'est que j'ai quand même fait... j'ai mis ces thèmes pour faire des jeux, mais quand ils ont fait leur rapport, les employés ou même ont fait les rapports, en gros, ils n'ont pas conclu qu'il y avait un type de public qui, en gros, le public n'est pas pris en compte. Donc voilà, c'est vrai que voilà, du coup, après, pour trouver d'autres thèmes, on doit faire des recherches. Voilà. Et après, donc, on a les genres. Au début, on en a que 6, 5, 5. En gros, casual, je suis pas... Dites-moi aussi ouais, dans les commentaires si vous savez ce que c'est le casual, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait deux parties, et celle-ci c'est la deuxième, que j'ai pas encore fini. En gros, là je suis à la moitié du jeu, à peu près. Et je voulais savoir. Et oui, je voulais savoir ce que ça voulait dire casual. Donc si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, parce que franchement, bon, les jeux vidéo, moi c'est vrai que franchement, ça peut être n'importe quel jeu, du temps qui me plaît, c'est bon.
ça peut être du RPG, ça peut être la simulation, surtout la simulation, ça c'est... Depuis 4-5 ans, c'est vraiment un jeu, le style de jeu que j'adore. Stratégie aussi, j'aime bien. Mais ouais, et je sais pas du tout ce que c'est ça, donc si vous savez, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, c'est assez important. Bah, assez important. Sans plus, hein, mais... Donc voilà. Donc à l'origine, on a le choix normalement entre ces 5 genres de jeux. Et après, dès qu'on a fait une certaine recherche, on peut mettre un deuxième genre. Et après, on a le choix des plateformes. Bon, moi j'utilise souvent mon PC. Et en plus, le jeu est sur PC, donc j'utilise souvent le PC. PS2, j'en ai fait un peu. Et après, en gros, les consoles. Donc on commence dans les années 80, je crois, 70-80. Et ce jeu, en gros, au fur et à mesure où on avance dans le jeu, les consoles se perfectionnent. Les plateformes se perfectionnent. Les jeux on peut les perfectionner, et après on peut faire des jeux un peu plus importants, et des jeux, plus les jeux sont importants, plus on va pouvoir agrandir en gros gagner de l'argent quoi, et des fans. Je crois que le maximum que j'ai gagné avec un des jeux que j'ai fait, je crois que c'était 17 millions d'euros. 17 millions, voilà, regardez, vous voyez, là, aujourd'hui, Microsoft a sorti la Mbox, bon, c'est l'équivalent de la Xbox, sa nouvelle plateforme de jeu, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, ils ont sorti la Xbox 360, dans le jeu. Donc, en gros, ils font un truc assez important. Donc là, voilà, après on peut faire une suite, mais bon, c'est avec les recherches. Au bout d'un moment, on fait des recherches et on peut avoir faire une suite de jeu. On peut après, mais ça dès le début, très peu de temps après le début, on peut créer son propre moteur en augmentant. Là, voilà, je suis en 3D V3, je vais bientôt mettre le succès aussi. L'IA compagnon, voilà, des trucs comme ça, mais pas pour l'instant. Là, après, dès qu'on clique sur l'un des personnages, il nous met recherche ou former. Former, c'est pour en gros que mon personnage puisse aller plus vite. En gros, là, on voit son design. Alors, quelle performance est dans le design, quelle performance est dans la technologie, quelle performance il a en vitesse et quelle performance il a en recherche. En gros, le mien, je l'ai poussé sur le design. Donc voilà. Ouais. Ouais, il va falloir que je le pousse. Donc voilà. Et après, bah, je vais essayer de faire un petit jeu en votre compagnie. Je sais pas, attendez, on va chercher un ou deux. Ouais. Voilà, et donc là j'ai toutes les recherches que je vais pouvoir utiliser dans mes moteurs ou dans le reste et puis là dans général par exemple on peut rechercher un nouveau thème. Là voilà, je peux mettre un thème arts martiaux. Donc je vais développer ce thème. Est-ce que par hasard toi tu pourrais m'avoir un thème qui soit mieux? Je sais pas, la chasse. Ouais. Bon, voilà ce que je fais souvent, je développe tous les machins. Comme ça au moins j'ai de quoi choisir. Transport. Bah tiens, je vais y attendre que transport soit terminé. Et après je vais vous faire un truc là-dessus. Et donc par contre voilà, on perd de l'argent une fois par mois. Pour la location, tout le bazar. Donc là on va vous faire, je vais vous faire devant vous un best-seller. Non, attendez,
Par contre là je vais augmenter mon... Je vais quand même refaire un moteur pour vous montrer un peu comment ça devient. Là voilà, en gros ils travaillent tous pour monter le moteur. Et là en gros je peux monter ou faire un peu plus de... je peux faire plus de... Je peux mettre plus d'employés. Je peux embaucher là en cliquant sur embaucher. Donc salut patron, j'ai un ami qui travaille dans l'organisation dont le but est de féminiser la profession et de et un sponsor. Et je me suis dit que ce serait excellent d'optimiser une excellente opportunité. Vous nous proposez votre aide. Donc il me propose de sponsoriser son... Ah oui, en gros c'est ma... mon employé qui me propose de sponsoriser une organisation. Voilà. Donc oui, ça me dérange pas, même je l'encourage. Donc voilà, je lui donne de l'argent. Et là, je vais continuer. Donc voilà, mon jeu en gros a dépassé une certaine... Voilà, donc j'ai fini mon moteur. Donc voilà, en gros, j'ai déclaré que... Ouais, qu'il y a plus de forme dans l'industrie du jeu vidéo. Je vais par contre attendre... En gros, je vais le mettre au congé des deux, là. Oui, la Xbox et ça, en gros, la Xbox sera enlevée. Là, le message qui vient d'arriver me dit que... Ah, il y a la Wii qui ne va pas tarder à sortir. Mais il ne l'appelle pas la Wii. Il l'appelle la Wii. Non, on fait quelque chose comme ça. Bon, en gros, il décrit la console. Je vais attendre que les sonnets reviennent là, voilà. Et après je vais me mettre après un gros. Oui. Je crois que dans cette partie, c'est la première fois. Donc là, voilà. Donc je vais faire un grand jeu, tout public, sur le thème du transport. Un joueur, même, je vais faire simulation. Bah, moi en fait, je suis très penché. Bon, en plus, que je fais une licence, mais là, c'est pas trop bien dans le jeu. Et là, techniquement, il devrait bientôt y avoir la PS3 qui devrait bientôt sortir dans le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que je fais de... Voilà, je vais me mettre transformer. Donc ce jeu, en gros, je veux qu'il me coûte très cher. Actuellement, pourtant, c'est juste un PC. Donc il m'a pas d'un bon. Donc là, j'ai mis 3 DV3. Voilà, il commence. Ah, on va dire, je vais booster un petit peu. Voilà, en gros, là, en dessous, il y a des petites flèches et des petits plus et des petits moins qui me disent, en gros, comment à peu près je dois mettre le gameplay, le moteur. Et après, je dis à qui... qui doit faire quoi. Hop. Là, on va aller dans le travail. La Xbox. En gros, je vous traduis que les deux fois, c'est pas de la PS. La Xbox a été retirée du marché. Voilà. La Game Sphere a été retirée du marché. Voilà. En gros, c'est...
C'est un peu comme une PS2 ou une Xbox en gros, mais c'est pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup en France. Donc voilà, je vais faire un... Donc voilà, je peux prévoir... Là, on peut faire du marketing. Et pour ça, c'est dans les recherches aussi. En gros, je vais faire... Et une sacrée campagne. Parce que c'est la première fois que je fais une campagne par exemple. Juste parce que mon jeu, je veux qu'il m'apporte beaucoup d'argent. Et je pense que déjà, il va m'apporter beaucoup d'argent. Voilà, donc voilà, multi-plateforme. En gros, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, je vais pouvoir mettre 3 plateformes avec cette recherche. Là voilà, j'ai toujours le petit plus me disant bah il faut que tu fasses comme ça si hop. Donc là en plus comme vous voyez tout à l'heure, regarde, il y a plus, moins, il y a machin, là il met 80%, 100% machin. Donc là on va faire en gros, faut pas que mes employés soient sur le monde. Parce que sinon, après, en gros, ils vont faire des bugs. Et les bugs, en gros, après, on va pouvoir faire un parage. Voilà, le jeu se développe plutôt bien. Par contre, si vous commencez le jeu, ne vous attendez pas directement à voir des 50 ans. Dans les premiers jeux, logiquement, c'est 5-6. Ouais. 5-6. En technologie. Grand max 10, quoi. C'est pas. Ça fait pas du lourd, quoi. C'est pas du lourd. Donc là, on va. Est-ce que je peux mettre là? Ah bah là, je peux pas. Toi non plus, déjà. Ouais. Donc en gros, le dernier, il va dire, ah si, je peux. Ouais, en fait, j'aurais dû envoyer du monde. Donc c'est pas grave. Voilà. Ah ouais, mais 200%. Quand même. Ouais. Bah il ira en vacances juste après hein. Donc voilà, donc j'espère que ça va pas trop faire croire à les autres. Voilà, en gros il y a la Wii qui va me sortir, mais bon, à part le PC, les autres sont pas très intéressants parce qu'en gros faut payer une licence. Là, allez voilà, en gros c'est le salon du jeu vidéo qui me demande quel stand je veux. Et puis j'ai un super stand. Je suis dans un stand intermédiaire, moi je vais dans le stand, et puis je veux un tout petit stand. Je veux un très grand stand. Pour changer un peu, là je pense que je vais faire un truc qui va être pas trop mal. Et donc, là on a l'indice de recherche qui consiste à en gros voilà maintenant. Que c'est tout terminé, ils vont corriger des bugs et ajouter 2-3 technologies dedans. Le bazar. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai fait du bug? Je pense pas. Je pense pas que j'ai fait beaucoup. Ah, 420 000. 515 000. Non, j'ai pas dû faire beaucoup. Non. Ah si, je suis arrivé sur 79 000. Bon, voilà. En gros voilà, il répare tous les bugs, il rajoute un peu de technologie design, machin, hop, sinon je vais finir, voilà, hop, hop, le jeu il est publié, tac tac, j'ai battu les records 1 et 2. Voilà, en gros il y a des niveaux de moteur Pinball Historic Quête, dialogue, qui augmente, je suis niveau 5, 6, 7 à peu près partout. Donc par lui, il vient juste de mettre. Par contre, à chaque fois
que un employé monte en niveau, il va nous afficher une image. Non, voilà, ils veulent une paye parce que leur niveau a augmenté. Ils demandent une augmentation. Donc normalement, le jeu devrait avoir... Ah non, pas encore. Encore ? Attends, alors, qui n'y a pas encore. Donc là, voilà, on peut savoir. En gros, c'est en disant ce truc, le rapport, que le jeu va nous mettre dans... quand on va faire un nouveau jeu, si le jeu a plu, comment il était, s'il nous a rapporté beaucoup de sous. Mais non, ça c'est autre chose, je vous dis n'importe quoi. Ça c'est pour faire les suites. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Bon, en fait, c'est si, par exemple, transport et simulation, ça va bien ensemble. Si tout public, ça va bien avec transport comme thème. Si simulation va bien avec la plateforme PC, ou tout public va bien avec PC. Ça, en gros, ça nous dit au maximum s'il faut beaucoup de gameplay, s'il faut beaucoup, voilà, en gros. Et là, en gros, on va avoir les premières notes, les premières critiques de transport mat. Votre dernier jeu vient d'arriver. Hop, voilà, on va mettre des notes. Et après, il nous donne une petite critique à côté. Voilà, c'est très plaisant. Bon, je vous dis, franchement, j'arrive pas souvent à faire des gros jeux qui plaisent toujours. Bon, des fois, souvent, en fait, ça plaît quand même, mais pas suffisamment. Et voilà, un super. En gros, c'est un peu 8. Ouais, 8 de moyenne. C'est pas trop mal, je trouve, pour un petit jeu comme ça. Donc là, eux, je vais les mettre en congé. Voilà, hop. Accorder un congé parce que en gros le seul truc c'est vrai qui est bizarre c'est que entre chaque jeu je dois les mettre en congé, c'est ça qui est dommage. Donc voilà, et eux les autres là je peux les soit les former comme tout à l'heure. Donc voilà, ouais. Donc voilà, ou sinon je peux leur faire une recherche sur les mini-jeux, le graphisme, multi-plateforme, lecteur de vidéo, mini-jeux, en gros pour perfectionner mes jeux et qui me rapportent beaucoup plus de jeux. Voilà, en gros, j'ai vendu plus de 5000 exemplaires. Non, j'ai vendu plus de 5000 exemplaires. En gros, pour l'instant, voilà, je vais vous montrer combien il me rapporte mon jeu pour l'instant. Il m'a rapporté 1 900 000. Pour l'instant. Donc voilà, donc là c'est le rapport que j'ai fait. Là, que mon personnage a fait. Notre analyse post-publication de Transport Mat est terminée. Et nous avons obtenu les résultats suivants. Histoire et quête. Semble être pas très important pour ce type de jeu. Ah, c'est bizarre parce qu'il me semble que l'histoire est piète. C'est ce que j'ai mis le plus en haut tout à l'heure, il me semble. Hein. Je sais pas. Voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Voilà, là ils vont nous parler de la PlayStation 3. Au lieu, ils appellent ça Play System. En fait, je pense que c'est des bugs au niveau des traductions. Parce qu'en fait, ce jeu, il est en gros, on peut avoir plein de langues, mais pas le français. Voilà, Wikipédia. Voilà, en gros, il nous dit tout ce qu'il fait. Et ce jeu, franchement, pour le prix qu'il vaut, il est plutôt beau, je trouve. Voilà, hop. Est-ce que tu vas aller à 1 million? Rang 25, hein, regarde. En gros, il est 27e dans le classement, pour l'instant. Ouais, il va peut-être pouvoir aller jusqu'à 1 million, mais ça m'étonnerait. Donc ce jeu, quand on commence dans un garage. Et en gros, voilà, on fait des tout petits jeux dans le garage, parce que c'est à l'époque
où même moi j'étais pas né. Oh, on commence à... Ah oui, j'y suis. Voilà, donc là j'ai fait 1 million de ventes. Ah, tu vois, un concurrent énormément commentaire jaloux. Donc, voilà, et voilà, là il me parle de la... Ah ouais, en gros, ouais. Ah, ça j'avais compris. Donc, voilà, ce jeu est plutôt bien. Franchement, je vous... Si ce jeu vous intéresse, je vous dis, il est... C'est un jeu qui est très 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 intéressant à mon goût. Parce que... Donc voilà, je viens de sortir. La console vient de sortir. Ce... D'ailleurs, là, voilà. Donc là, on peut choisir le budget que je vais mettre pour recruter un nouvel employé. Alors moi, je vais mettre 30 000. Là, avec le rendement que je viens de faire, je peux. Merde, j'aurais pas dû mettre ça. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà. Là, on a un gars. Donc, Erika Robinson. Bah, je pense que je vais prendre la fille. Hein. Johnny Rom. Ouais. Je vais prendre la fille. Mais, en gros, voilà, on a son indice de vitesse. Donc on voit à quelle vitesse elle va. Elle va très vite d'ailleurs. Parce que quand même 400... Ouais, c'est assez rapide. Même moi je crois que je suis pas aussi rapide. Mon personnage dans le jeu est pas aussi rapide. Et en recherche, elle est pas trop mal non plus. Donc voilà, par contre en design, elle est un petit peu faible. Mais en technologie, elle est assez poussée. Quoi. Donc je vais la recruter. Voilà. Donc en gros, mon jeu, il est sorti. Ben, il s'est vendu et il s'est vendu à 1 883 396 exemplaires en générant 15 167 736 recettes de vente. Donc en gros, il m'a rapporté 3 fois ce que j'ai mis, à peu près. Donc voilà, on remarque ça. Là, je formate, on a des 8 de moyenne, bon, on voit que c'est 8 sur le PC. En gros, il m'a rapporté, si je peux voir ce que j'ai mis dedans, 9 000. C'est pas mal, hein. Mais bon, on aurait pu faire mieux. Donc là voilà les jeux qui m'ont vu, c'était un échec total. Mais voilà les jeux, en gros j'ai fait un remake de SimCity qui m'a rapporté 19 millions. En gros c'est celui qui m'a rapporté tout l'argent du jeu, ou presque. Qui en gros j'avais mis 1 million dedans, en gros des sous dedans, et là j'en sors avec 19 millions. Après bon bah là j'ai un mythe total là où j'ai perdu l'argent dessus avec un 375, un désarmement action simulation. Mais en gros je voulais penser quoi que j'ai perdu. Ah ouais bah, j'ai fait un truc pas trop mal. Mais merde, pas ça. Donc voilà. Parce qu'en fait là c'est le moment où c'est le premier jeu que j'ai fait avec le multijoueur. En gros c'est là où je peux mettre du genre en même temps. Donc voilà, on peut même savoir. Enfin, là il a fait là, il était 9 dans le classement des meilleurs jeux. Meilleurs ventes. Il m'a fait 10 millions de bénéfices. Donc c'est déjà pas mal hein. Parce que si on peut faire des contrats en gros là je vais tous les mettre. Ah non, je veux pas de vacances. Je sais pas quand. En fait je sais pas exactement quand c'est qu'il leur faut des vacances. Ah on peut bouger. Ah ok. Je savais pas c'est pour le temps. Donc ici Dave Jameson, PDG de département de sciences. Certains de nos sujets tests ont récemment été exposés à certains de vos jeux. Et bizarrement, ils n'ont pas
PlayStation 1/4. Ils ont même semblé apprécier l'expérience en fait. Bref, certains de mes produits ont besoin d'un coup de pub. Et un placement de produits pourrait marcher. Les gars du marketing me disent que faire cette offre est une mauvaise idée, mais c'est exactement pour ça que je le fais. Je vous paierai 200 000 si vous placez quelques de nos barils d'explosifs dans vos jeux si vous le dites quoi. Ah, je me dis que c'est la première fois ça. Excellent. Une bonne chose que vous ayez un peu de jugeote. Encore un truc. Ne vous sentez pas obligé de mettre ces barils dans tout, dans votre tout prochain jeu. Je préférerais que vous les mettiez. Dans un jeu, je pense, où ils auront leur place. Donc, voilà, ouais, en fait, c'est quand c'est orange qui veut démocratie. Voilà, donc je vais essayer de faire un jeu où faut que je place un baril à la con. Hein. Ouais, on va faire un petit jeu, je vais pas envie de faire un nouveau jeu. Je vais l'appeler Baril. Donc du tout public, en thème. Oh, pirate, ça pourrait être pas mal. Allez, on va faire un pirate. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme jeu? Action. Ouais, action, c'est pas mal. Et PC, voilà. Et on va mettre le dernier moteur, parce que ça ne sert à rien, les autres. Donc voilà, et là en gros je vois là, les barils d'explosifs, j'aime bien. Donc voilà, ils vont. En gros là j'ai pas besoin de faire de jeu. Ouais, on va tout mettre comme ça, c'est pas mal. Demande une interview. Salut, c'est Roland Kane de Smash. J'ai entendu que Mad Game travaille. Donc c'est le nom de l'entreprise. Hein. Est sur un nouveau jeu. Seriez-vous prêt à partager certaines informations sur votre projet de jeu actuel et de faire une entrevue à ce sujet? J'accepte. Donc voilà, Roland Kane. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux de savoir la quelle décision entre le développement d'un jeu et comment la compagnie se fixe dans la zone machin. Votre nouveau jeu de pirate action jeu, pouvez-vous nous dire si un tel jeu pourrait normalement recevoir l'accent son ou design? Je ne sais pas, plus de temps de base. Mais bon, en tout cas, elles sont contentes. Bien, ils sont contents. Donc là, ils travaillent tous ensemble. Il n'y a pas de... Donc voilà, en gros, ils marquent tout en anglais. Parce que le... En gros, à l'origine, il est anglais, le jeu. En gros, il n'y a que celui-là qui est marqué en normal. Et même ce que je fais, on va mettre... la salle menu est franchement pas trop bien, pas trop mal. Moi je suis déjà en allemand. En allemand c'est pas normal d'être en allemand alors que je suis en français. Mais bon. Donc voilà, il y a le portugais, il y a le brésilien en plus. Il y a le néerlandais, il y a le nigérien, je crois, l'Italie, l'Espagne, le... je sais pas quoi. Et je crois que c'est du chinois et du je ne sais pas quoi là non plus. En gros, il n'y a que l'anglais qui est pas en bêta. Donc je pense que c'est un jeu américain ou anglais.
et donc à cause d'un patch, je peux mettre en français. Donc voilà. Donc là je vais mettre voilà. Les dialogues, j'en ai rien à battre. Lui qui me dit que voilà, il n'y a que des moins, là il y a un 2 plus et là il y a 3 plus. Donc on va continuer. Hop, ils font les recherches, ils font de la technologie, ils mettent du design, ils mettent tout ce qui va bien dedans. Voilà, on est 600 plus sur le terrain, donc je pense que ça va faire bien. Enfin, ça va être pas mal. Voilà, je vais mettre machin, hop. C'est parti, on va faire un truc de fou pour un petit jeu. Ça fait même pas un gros jeu, ça va être un petit jeu. Enfin, en gros, là il nous dit la PlayStation 2 sera retirée du marché dans 2 mois. Voilà, donc le jeu est fini, tac, ils font le machin, voilà, ils font 2-3 petits modifs, donc là c'est pour la convention du jeu vidéo, en gros, comme notre Games Week, voilà, ils font 2-3 petits modifs, là il y a un bug, il y a 2 bugs, ah il y a 2 bugs, il y a un autre bug, ils enlèvent le bug, moi je mets. Donc voilà, on a un petit truc, je dis pas que c'est un gros truc par rapport à tout à l'heure, ça ne rien du tout. Mais ça peut marcher quand même, ça peut me faire me rapporter 25 millions alors que... Je sais pas, on verra. Voilà. Ah, je suis presque niveau 7. Merde. Donc là, je ne publie. Non, pas toi, toi. Merde, bon, ben voilà, les petits carrés. Donc comment tu me mets? Je pense que ça va pas être terrible hein. Voilà, 4. Ouais, je pense que c'est foireux ce jeu là. Oh, qui vont m'en vouloir. 4. Allez, je vais avoir des 4 de partout moi. Ah non, 6. Donc voilà, il nous dit donc ok. Bof. Sans imagination. Ah, je m'en fous. Les jeux de ce type d'action rendent bien sur PC. Donc voilà. Donc là il nous dit qu'il y a des iPhones qui vont sortir. Voilà, donc je vais faire un rapport pour lui. Voilà, pour mon rapport. Et toi je vais te former. Ah bah t'as pas les. En gros voilà, il y a une formation, plus design, plus recherche, plus tout ça. Et moi je vais vous laisser sur ce site. En gros c'était MM Simulator et donc je vais laisser sur la promotion du jeu G3 qui en gros j'ai fait à peu près un an avec vous dans le jeu. Donc c'était MM Simulator, je vous dis à la prochaine sur un prochain jeu Farming Euro Truck ou une démo comme ça, bien une démo, une présentation. Mais normalement aussi sur ce jeu là il y a des mobs qui vont dessus. Donc c'était même simulateur, je vous dis à la prochaine. A plus.